la Première Guerre mondiale va modifier très profondément l'ensemble du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, en raison de la durée du conflit, du nombre de victimes, des destructions, des pertes provoquées par cette guerre sans précédent. Pour le CICR, c'est une rupture très profonde liée à deux éléments. D'une part, l'extension de son champ d'activité. Le CICR avait été constitué pour venir en aide aux blessés, et c'était aux blessés de guerre. Cela valait d'ailleurs pour l'ensemble du mouvement international, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, même si les sociétés nationales, elles, avaient pris l'habitude de développer également leurs activités en temps de paix, dans des domaines tels que la formation du personnel médical, la lutte contre les épidémies. Par une résolution adoptée en 1912 à la conférence de Washington, la Croix-Rouge décide de s'intéresser également au sort des prisonniers de guerre. Même si une résolution n'est pas obligatoire pour les États, ça donnait en tout cas une base d'action. Sur cette base d'action, le CICR décide dès le début des combats, en août 1914, d'intervenir pour la protection des prisonniers de guerre. Le CICR annonce l'ouverture de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Donc, un bureau qui avait pour objectif de centraliser les informations sur les prisonniers de guerre afin de pouvoir renseigner les familles. Lors des guerres antérieures, quand un homme était capturé, il avait le plus souvent aucun moyen de dire à sa famille « Je suis vivant, je suis détenu à tel endroit, est-ce que vous pourriez m'écrire, est-ce que vous pourriez m'envoyer ?» des lettres. Et les familles, si un homme était annoncé comme disparu, ne pouvaient savoir si cet homme était mort au combat ou s'il était en captivité chez l'ennemi. Le prisonnier comme le blessé, c'est un homme qui est hors de combat, qui n'est plus en état de poursuivre la lutte, et c'est un homme qui souffre. Le blessé au titre de ses blessures, mais le blessé et le prisonnier également au titre de leur isolement et au titre, pour le prisonnier, de la captivité, le fait d'être détenu en territoire ennemi au pouvoir de l'adversaire. Tout comme le soldat blessé, protégé depuis 1863 par le droit international humanitaire, le soldat prisonnier doit être traité avec humanité. Juste après la bataille de la Marne, en septembre 1914, le CICR comprend que la guerre va durer. Par conséquent, la captivité pour des millions de soldats s'annonce longue. Ça va obliger le CICR à changer totalement son dispositif. L'agence va prendre un développement gigantesque parce que les familles allemandes, les familles françaises, les familles britanniques sont alertées sur le fait qu'il existe un bureau à Genève auquel on peut s'adresser pour essayer d'obtenir des nouvelles. Et le CICR va faire des démarches auprès des belligérants pour obtenir les listes des captifs qu'il va recevoir, centraliser ces listes, convertir les listes en cartes selon un système de classement alphabético-numérique très complexe mais très efficace, de façon à pouvoir ensuite rejoindre en quelque sorte la demande qui vient d'une famille avec l'information reçue de la puissance détentrice et pouvoir répondre aux familles « Oui, votre fils est vivant. Oui, il se trouve dans tel et tel camp de prisonniers à tel et tel endroit. Voici son adresse, vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui envoyer des secours. » À la fin de la guerre, les fichiers de l'agence comporteront quelque 8 millions de fiches, c'est-à-dire autant de renseignements sur des prisonniers français, allemands, britanniques, italiens, etc. Et ça permet d'informer les familles. Uniquement dans le cas de la France, le CICR est en mesure d'envoyer 560 000 renseignements à des familles françaises qui sont tirées donc d'une épouvantable inquiétude. Et très vite, ce bureau de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, évidemment, on doit recruter du monde, on va recruter des volontaires, est connu dans toute l'Europe comme une œuvre au service de la paix, au milieu de cette guerre épouvantable et interminable. Le CICR se rend compte qu'il ne peut pas se contenter de ce travail remarquable et très important d'acheminement du courrier entre les prisonniers et leurs familles.
Parce que lorsqu'éclatent les hostilités, le régime des prisonniers de guerre est régi par le règlement annexé à la 4e Convention de la Haye, et ce règlement pose uniquement des principes très généraux. Par exemple, le principe qu'en ce qui concerne le logement, l'habillement, la nourriture, etc., les prisonniers de guerre seront traités selon le standard national, c'est-à-dire recevront le même type de logement, d'habillement, de nourriture que les soldats de la puissance détentrice. Or, les pratiques sont très différentes. Dans un pays X, les soldats reçoivent deux couvertures. Dans le pays Y, ils en reçoivent une seule, parce que les couvertures du pays Y étaient plus épaisses et qu'une couverture suffisait. Mais évidemment, lorsque les soldats du premier pays, lorsque le gouvernement du pays X découvre que ses prisonniers chez l'ennemi ne reçoivent qu'une seule couverture, alors que leurs prisonniers en ont deux, ils vont dire « c'est scandaleux, nous appliquons des représailles, donc on va retirer la deuxième couverture ». Et les hommes vont commencer à grelotter. Et l'autre pays dira « comment on applique des représailles contre nos prisonniers ? Nous allons retirer aussi une couverture ». Et ils vont se retrouver sans aucune couverture, etc. Même chose pour la solde, même chose pour la nourriture. Et le CICR se rend compte que par ce mécanisme des mesures de représailles, en vérité, le régime conventionnel de protection des prisonniers de guerre est en train de s'effondrer. C'est Gustave Adorf, président du CICR, qui va personnellement proposer aux Français, aux Allemands, aux Britanniques et aux Italiens de recevoir des délégués du CICR pour visiter les camps d'internement. Non seulement il s'engage dans la négociation, il se rend lui-même à Bordeaux, où le gouvernement français s'était replié, vu la proximité du front par rapport à Paris, puis à Berlin, mais également il participera personnellement aux premières visites. Ces rapports seront ensuite publiés de façon à dire « voilà la véritable condition des prisonniers de guerre, les choses ne sont pas du tout ce que la propagande dit », et essayer de calmer les esprits par rapport à ces interventions. Et ensuite, le CICR étendra ses offres de services, ira visiter également les prisonniers allemands en Angleterre, les prisonniers autrichiens en Italie, italiens en Autriche, y compris la Russie, y compris même l'envoi de missions au Japon, puisque le Japon est entré en guerre aux côtés de l'Entente. C'est véritablement ça aussi qui amène le CICR, rapidement après la fin de la Première Guerre mondiale, de proposer l'adoption d'une convention beaucoup plus élaborée que n'était le règlement de la Haye de 1907 pour la protection des prisonniers de guerre. Et ce sera le point de départ de la convention de 1929, qui sera la base de la protection des prisonniers de guerre tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, puis la troisième convention de Genève de 1949. Avec le prolongement de la guerre, on va assister à un engagement d'armes de plus en plus massif, et chaque belligérant va chercher à développer de nouvelles armes de façon à surprendre son adversaire. Ça conduira notamment à un usage très large des gaz de combat, et ça amènera le CICR à prendre position au début de l'année 1918 avec un appel très solennel auprès des belligérants pour qu'ils renoncent à l'utilisation de gaz de combat. Malheureusement, cet appel ne sera pas suivi, donc ça n'entravera pas l'utilisation des armes de combat jusqu'à la fin de la guerre de 1914-1918. En revanche, le fait que le CICR ait lancé cet appel pendant la guerre jouera un rôle important lors de la première conférence du désarmement, où le CICR soulèvera la question de l'utilisation des armes chimiques, et cette intervention amènera l'adoption du protocole de Genève de 1925, réinstaurant la prohibition des armes chimiques qui avait été prévue déjà par l'une des conventions de la Haye de 1907. Le premier conflit mondial voit également l'apparition d'autres méthodes de combat, comme l'artillerie aveugle incarnée par la grosse Bertha, qui tirait à plus de 100 km de distance, ou encore les premiers bombardements aériens. C'est pratiquement le premier conflit où il y a eu l'utilisation, et sur une échelle croissante tout au long des hostilités,
de l'arme aérienne, même si l'arme aérienne apparaît la toute première fois, c'est en 1911, lors de la guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman. Mais c'est véritablement pendant la Première Guerre mondiale qu'on assiste au début de l'aviation de guerre et notamment de l'aviation de bombardement, avec la tentation d'aller bombarder les localités de l'arrière. Le CICR s'est préoccupé de cet enjeu, a discuté d'un éventuel appel contre les bombardements aériens, a donné la priorité à la démarche contre les armes chimiques, et puis finalement la guerre a pris fin avant que l'appel sur les bombardements ait été lancé. Et c'est à l'occasion de la guerre d'Espagne, à l'occasion du conflit sino-japonais de 1937, que le CICR va lancer les premiers appels contre les bombardements aériens. Alors, le CICR est en liaison très étroite avec les sociétés nationales. Mais les sociétés nationales de Croix-Rouge, elles sont totalement absorbées par leurs tâches nationales. Et donc, le CICR, évidemment, la Croix-Rouge française, eh bien, elle est immensément mobilisée par l'assistance qu'elle doit fournir aux services de santé de l'armée française qui sont confrontés à un nombre gigantesque de blessés auxquels une assistance médicale doit être donnée. Il en va de même en Allemagne. La Croix-Rouge française va également s'occuper de soutenir les familles des soldats décédés et les familles des soldats tombés en captivité. Mais tout ça, ce sont des tâches nationales et le CICR va s'imposer véritablement comme le pivot, comme l'intermédiaire neutre entre une Croix-Rouge française, une Croix-Rouge allemande, une Croix-Rouge britannique et une Croix-Rouge allemande, une Croix-Rouge italienne, une Croix-Rouge autrichienne, et également entre les gouvernements. Et ce rôle d'intermédiaire neutre qui apparaît dès la guerre franco-allemande de 1870-1871, va connaître une gigantesque expansion durant la Première Guerre mondiale.